Le soir, tu deviens une jeune fille et tu deviens une jeune fille de 21 ans et tu vas te prostituer. On te voit dans les rues, n'est-ce pas? Tu vas même jusqu'à Abidjan, tu te prostitues. Et quand tu te prostitues, les gens couchent avec toi, ces personnes-là meurent après. Tu le fais ou pas? Oui. Ok. Quelle sorcière? C'est papa. Qui t'a donné la sorcellerie? C'est ma camarade. Il s'est passé comment? Ma maman était partie au marché. Maintenant, moi j'étais à la maison. Maintenant, mes frères sont quittés à l'école. Maintenant, quand mes petits frères et mes petits soeurs sont quittés à l'école, maintenant je les ai servis. Maintenant, moi, elle en a mangé. Maintenant, la nuit, elle est venue. Maintenant, elle dit, moi, de donner ce que moi j'ai mangé. Maintenant, première, il n'est pas parlé. Maintenant, elle dit, viens, qui t'a mangé, il faut donner. Maintenant, elle dit, c'est ma maman, tu as préparé. Et puis, toi, tu dis de donner. Elle dit, toi, tu as vu son viande, qui ta maman a préparé. Et que moi, j'ai changé son viande de l'homme. Et c'est moi, lui, ai demandé pourquoi tu as fait ça. Puis, elle dit, partout où moi, je passe, il y a ici les gens. Donc, c'est la même chose aussi, toi, tu as fait. Tu as tué combien? Quand il y avait 7 ans, j'ai tué 42. Maintenant, quand il y a eu 9 ans, j'ai tué 92. Quand tu avais combien? 7 ans. Quand tu avais 7 ans, tu as tué combien? 42. Tu as tué 42. Et quand tu as eu combien après? 9 ans. 9 ans, tu as tué combien? 92. 92. Maintenant, tu as quel âge? J'ai 9 ans. Ok. Donc, les 80, 40 plus les 92, c'est ça? Ça fait combien tout? 48 plus 48, 92. 42. 42, 92, c'est 134. Donc, tu as fait 134, tu as tué. Papa. Oui. Comment tu fais pour tuer les gens? Quand ils les voient là, je me transforme en chat. Maintenant, j'appelle les âmes. Arrivé là-bas. Quand la nuit, oui, c'est dans la journée. C'est la nuit. Et tu fais comment? Je me transforme en chat. Maintenant que je me transforme en chat, je m'arrête. Maintenant, j'appelle les âmes 3 fois. Maintenant, quand ils regardent les registres 3 fois, je prends les âmes. Maintenant, je m'en vais. Maintenant, je dis esprit d'animal. Esprit d'animal. Fais en sorte que cette personne se transforme en animal. Maintenant, quand la personne se transforme, je prends un gros bois, puis il en sort. Maintenant, il meurt. Non, donc, tu prends l'âme. Tu dis esprit d'animal entre en cette personne et tu dis peut-être bœuf ou mouton et la personne se transforme en animal, c'est ça? Oui, papa. Et tu prends le bois et tu assommes la personne. Papa. Et tu manges la personne. Papa. Vous mangez ensemble la personne. Oui, papa. Donc, ça dit quand tu tues des gens, tu montes en grade. Papa. Okay. Et tu as gâté combien? Tu fais comment pour gâter la vie des gens? Quand je suis avec quelqu'un, maintenant pour gâter sa vie, je me rends en serpent. Maintenant, je rentre dans la maison. Quand je rentre dans la maison, après, je me rends en homme. Maintenant, quand il ne veut pas qu'il me voie, je rentre dans le mur. Maintenant, après, je me rends invisible. Maintenant, après, quand je sors, je prends tous ses papiers. Maintenant, je me rends hibou. Maintenant, quand je m'en vais là, je sors. Maintenant, quand je sors là, je m'en vais avec les papiers et puis je prends une canarie. Maintenant, je mets le papier dedans. Et puis, je dis, je bloque sa vie. Moi, je bloque son mariage, je bloque son travail, je bloque tout ce qu'il va entreprendre. Maintenant, tout ce qu'il a là, je bloque tout. Maintenant, si on veut lui donner travail, que le monsieur le refuse. Il t'envoie dans combien de points? C'est le deuxième point. Ok. Tu sais pourquoi je te prends maintenant? Je devais prendre la petite fille là. Mais je suis en train de te prendre parce que quand tu es venu, tu as craché dans la cour là-bas et tu as dit que tu allais envoûter la cour. Hein? Vrai. Voilà. Et pendant que le pasteur est en train de parler avec toi, tu as envoyé un serpent pour que le serpent entre dans son corps sans pas pu rentrer. Vrai ou faux? Vrai. Ok. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux être délivré ou pas? Je veux être délivré. Voilà. Donc, ce que tu entends d'essayer là, pourquoi je t'ai pris tout de suite? J'ai laissé la petite fille et puis je t'ai pris rapidement. Parce que toi, tu penses que tu peux envoûter. Tu as craché dans la boue et tu veux envoûter tout le sens. Ok? Pendant que le pasteur est en train de parler avec toi tout à l'heure, tu essaies d'envoyer un serpent, mais ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour rentrer dans le corps du pasteur.
Voilà, pour te dire, ton serpent, il est où? Il est là. Il est où? Je l'ai mis à quelque part dans une case. Quelque part dans quelle zone? Je l'ai mis dans le camp des sorcelleries. Non, mais le serpent se trouve dans ton anus. Il se trouve en toi et dans ton anus. C'est à partir de ton anus qu'il sort. Vrai ou faux? Vrai. C'est ça, comme les gens n'ont pas l'habitude de te voir, c'est cela que tu arrives à les détruire. Mais je veux t'aider, mais tu as ton terminus. Voilà, tu es à ton terminus. J'aimerais que tu arrêtes ce que tu es en train de faire, sinon c'est très dangereux. Voilà. Et tu as l'habitude de rentrer dans le corps des femmes. Et tu aimes bien, quand les femmes ont une nouvelle grossesse, tu aimes bien rentrer et puis tu casses le fœtus là, tu détruis. Tu fais ça ou pas? Oui. Tu connais la sirène des eaux? L'esprit des eaux? Oui. Tu travailles avec elle? Oui, papa. Et donc, elle te demande de donner la prostitution aux gens? Oui. Et donc, tu donnes la prostitution aux gens? Oui. Et tu fais que les gens puissent, quand les gens dorment, tu donnes cette maladie-là pour que les gens, quand dormant, ils puissent, ils pissent. Oui. Et le serpent qui est en toi, là, c'est ce qu'on appelle dragon. C'est ça? Oui. Et les soirs, je te dis en même temps ce que tu fais. Les soirs, tu deviens une jeune fille. Et tu deviens une jeune fille de 21 ans et tu vas te prostituer. On te voit dans les rues, n'est-ce pas? Tu vas même jusqu'à Abidjan, tu te prostitues. Et quand tu te prostitues, les gens couchent avec toi, ces personnes-là meurent après. Tu le fais ou pas? Oui. Ok. On te dit, je sais qui tu es. Et je sais que tu es très dangereuse. Mais je suis prêt à t'aider. Et pendant que je parle, je vois l'esprit de la sirène en toi. Et je vois l'esprit là qui veut m'attaquer. Mais il ne peut pas. Voilà, il ne peut pas m'attaquer. Effectivement, elle est très dangereuse. Partout elle passe, elle gâte. Mais par compassion, on va la délivrer. Tu veux délivrer? Oui, papa. L'esprit va sortir. Tu es d'accord? On va te délivrer. Oui. Tu es d'accord? Compris pour toi? Oui. L'esprit de la sorcellerie. Je m'adresse à toi. Tu vas te manifester et quitter son corps. Voilà. Je te sens dans son corps. Ce corps ne t'appartient plus. Quitte son corps parce que cette jeune fille doit servir Dieu. Quitte son corps. Allez, quitte son corps. Pas. Sonnez. Allez, feu. Comment le nom de Jésus? La puissance de Dieu t'aura fait détruire ton pouvoir. Là où tu es, la main de Jésus-Christ vient te libérer de cette présence satanique et de la sorcellerie dans ton corps. Tu ne te donneras plus à manger et à boire le sang des gens. Maintenant même, Jésus te libère. Il y a ton papa, rien de plus, dis ce qui se passe. Pourquoi tu dis de nous m'arrêter ici là? Maintenant, la sirène des eaux, puis le serpent là, m'avait entouré, m'avait attaché avec la queue. Maintenant, quand tu as commencé à prier pour moi, la sirène des eaux, elle est partie. Maintenant, le serpent, lui, il était attaché. Maintenant, quand tu as prié, lui, il s'est détaché. Maintenant, tu peux tourner ton visage vers ma vie, parle-moi, voilà. Oui, oui. Maintenant, après, quand il s'est détaché, après, au moment de partir, il a fait les choses, il voulait m'attacher encore. Maintenant, j'ai commencé à crier. Dès qu'il m'a attaché, j'ai dit laisse-moi, faut me laisser. Jusqu'à après, il a détaché, puis après, il est parti. On va acclamer le Seigneur.